It's all going up to that ways. Let's talk about it. Just a little bit. I know you end, but you love. Won't you be around me? That's the love, girl. Won't you be around me? I know that you love it. Won't you be around me in the rain? I6, Incognito, Arthur qui s'occupe du visuel. Voilà, coffee shot. On est trois. On est trois contre mille. Le projet, c'est Rolling Stone. On a fait une mixtape, 12 titres. Il n'y a pas de recette. On fait de la musique, voilà. Donc après, elle plaît. La manière dont c'est fait, sûrement, ça plaît. Donc voilà, ça fait plaisir. Sous la bannière Coffee Shot, on a fait le projet de Désarroi, du groupe Marika Street. Club de poésie, on a fait aussi celui de Mr. White, Free Mr. White 2012. Et il y a mon solo Phénomène de Société qui est sorti en décembre 2012 aussi. Donc ça fait 4 projets pour une année. On est un peu plus libre, on a moins ces restrictions, qu'on respecte un peu la vie de tout le monde et que du coup on fait des choses qui essayent de convenir à tout le monde. Là on est un peu plus, on peut plus s'exprimer chacun de nous et essayer d'apporter notre part du truc. Donc maintenant les nouveaux projets, si t'écoutes ma dernière mixtape ou même Rolling Stone, il y a des titres que, tu vois, j'ai rappé sur un truc de Rick Ross, il y a un truc aussi de producteur, je sais plus c'est quoi leur nom, mais c'est une phase B aussi, c'est des trucs assez contemporains. Donc tu vois, tu sais, on essaye de là-dessus, j'ai repris Click, on a repris Click, tu vois, il y a Salam Carter qui lui, il fait de rien tout, il fait des trucs du futur, quoi. Donc voilà, on essaye de donner un peu de tout pour tout le monde, quoi, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Je pense qu'au niveau même clip ou visuel, enfin tu sais, je pense qu'on a tous été inspirés par que ce soit, il y a des grands de notre ville qui ont fait des grandes choses, qui ont eu tout d'un coup des 100 000 vues, des personnes de France qui commençaient à parler d'eux. Moi clairement j'ai été inspiré, c'est sûr que le rap genevois, j'ai grandi avec. J'ai 20 ans aujourd'hui, depuis mes 12 ans j'écoute du rap suisse et il y a du Double Pacte. Je me suis shooté au premier mixtape de Willy Man, de Terror et Mouvement, Marika Street. Et j'écoutais du rap français, j'écoutais du rap américain. Et pour moi, entre le rap français et le rap suisse, quand j'écoute ce genre de projet, donc ceux de Willy Man, ceux du Terrorisme, de Marika et tout, il y a rien à envier. Et on était franchement, même depuis Double Pacte, on est en avance sur la sonorité, sur la manière de poser. Il y a de l'avance. Il faut que les gens ils se réveillent, parce que vraiment il y a des bonnes choses qui se font et des bonnes choses qui se sont faites. Il y a toute une histoire autour de ça. Peut-être il n'y a pas beaucoup de gens impliqués, mais ça reste une histoire qui, tu vois, c'est des trucs, même les gens eux-mêmes des fois ils sous-estiment ces projets, mais c'est des trucs pour moi qui m'ont marqué dans mon enfance. J'ai envie de dire, tout travail mérite salaire, donc c'est un peu le salaire de ce travail là. Après c'est un petit salaire, mais voilà, on le fait ailleurs, l'autre salaire, et non, c'est important parce que ça permet à des gens de se confirmer. Là, ce qui est bien, c'est que y a beaucoup de gens qui viennent interviewer, il y a des programmateurs des festivals qui sont là et tout ça, et c'est ça le plus important. Si les gens ils ont été nominés, c'est pas pour rien. Donc tout le monde mérite un peu de gagner. Moi je suis un compétiteur, moi j'ai envie de gagner. Je suis venu ici, on va faire le live, j'ai envie de gagner, montrer, voilà. C'est comme ça, c'est la compète. Mais en vrai, on travaille tous, on donne de l'énergie, on donne du temps, on donne de l'argent. Donc voilà, tout le monde mérite de gagner en fin de compte. Oh,